C'est moi. C'est Spider-Man, pourquoi? Mais aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour le 91e épisode de cette série de Fuis le tueur. Et aujourd'hui, les amis, nous sommes actuellement Pépé tueur. Et oui, les amis, on est Pépé tueur. Qu'est-ce que vous vouliez de plus? Et du coup, les amis, je sais qu'est-ce qui manque à présent à mon skin de Pépé tueur. Alors, red émeraude de gelée. Slice rouge aussi. La forêt de jade gelée, mon pauvre. Arrête de m'impressionner comme un débile. Oh, c'est bien ça, l'ami. Ok, bon alors. Oulala, il y a beaucoup de monde, hein. Écoutez, école de nuit, hein. Parce que moi, je suis du côté méchant de la force. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est si lent? Ok, bon alors. Zirenab. Alors, pourquoi c'est si pas fluide? Bon, ça va peut-être venir. J'espère pour eux. Normalement, ça, c'est lorsque le jeu se charge et tout. Ça fait souvent ça au début. Non, ça va, c'est pas là qui spawn. En plus, elle a spawné dans le gymnase. Monsieur Fabuleux! Prends ton skin de pépé tueur! Ah, tu l'avais perdu? Mais alors, tu sauvegardes toutes les merdes, mais si tu sauvegardes pas le plus important, non? C'est bête, ça! Enfin, Tony! Oh no, it's pickle times! Quelqu'un est mort, ça y est. Aïe, ça picote les fesses, les amis. Ouais, la petite boubouille toute triste, effectivement. Ça va, ça bug plus trop. Ami. Bon? Mami! Enderou, de berne de pas! Ah, Denis, c'était pas comme ça. Ah, si, c'était comme ça, effectivement. C'est quoi ce couteau débile? Je t'entoure! Attention, il arrive! Elmer Dunks! Voilà, ici c'est bien. Skin, mon pote, il manque les danses lorsqu'on marche. Au secours! Oh, bien joué! Je suis à la cantine. Je vais aller à la sortie du bas. Ah, très mauvaise nouvelle. Attention! Oh, mais enfin, le temps que tu échoues à cette map, c'est débile de ta part, là. Alors, est-ce que je suis allée ici? Non, je n'y suis pas allée. Il faut qu'on aille voir. Alors, attends, je vais regarder tout ce qu'il y avait. Ah, ça y est, il y a enfin un truc un tout petit peu intéressant. Qui n'est pas du tout intéressant.
Ok, en fait, il n'y avait que du caca. C'est dommage. Bon, pour l'instant, il n'y a personne qui est mort. Quoi? Ouais, j'ai l'impression. Bah écoute, moi aussi je vais m'échapper par la sortie du haut, hein. Le monde est si cruel. Moi je me casse. Je sais pas. Mais. Attends, je veux le voir. Oh là là, ça y est, ça commence. Caca Brouda prout dans la couche. Oh, que ça y est, que oui, que ça commence. Allez, ça va s'ouvrir, mais Denis va pas pouvoir s'échapper. Dommage pour lui. Victoire! Yes! Alors, Denis. Où est-il, Denis? Oh, elle est buggée dans le sol, elle! Oh, il l'a laissé tomber! Ouh, attention, là, je sens que Denis, il est mal. Ah, attendez, faites voir Denis. Ah. Ouais, c'est sûr, c'est assez idiot. Alors, Denis! Il est parti là, Denis, mais bon, il aurait pu s'échapper, hein. What? C'est ça son visage en vrai? Ok, fabuleux. Il est mort. Bah, c'est ce qu'il fallait, hein, c'était sûr aussi. En vrai, c'était sûr. Alors, qui veut se faire trop lolo? C'est toujours bien de se faire trollolo. Je vais prendre l'arme originale. Voilà. T'as loupé. Tu t'es pas échappé. C'était idiot de ta part. Ouais, ouais. Franchement, ça, c'était très très caca de ta part. Par contre, il y a un bug, c'est qu'il prend, il montre pas les tueurs. Du coup, eh ben, on peut s'y mettre. Ouais. Regarde, viens voir. Je sais pas, il y a un bug. Ouais. Effectivement. Regarde, lui, non, lui, je veux pas l'acheter. Alors, c'est qui? Oh, c'est moi! Oh oui, je me demandais pourquoi je voyais pas de prénom rouge. Ouais! Papa Dreur! Allez, on y va. On va aller buter des gens. Cousin, t'as intérêt à bien te cacher parce que ça va sucer. Attention, mon frère, ça va sucer. Ça va sucer. Je te préviens. Ah oui, c'est vrai, j'entends plus ma musique. Allez, viens là. Oh. Viens là. Oui. T'es sûr qu'elle était allée là? Denis! Attention! 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 Denis, où es-tu? Enfin, frère! Je suis avec beaucoup de gens. Ah ouais? Ouais. Intéressant à savoir. Trois. On est trois? Vous êtes trois, je veux dire. Quatre, vous êtes quatre. Alors, vous n'êtes pas au bureau du proviseur Brown parce que j'y suis allée.
Donc vous êtes... je sais pas trop, il y a pas mal de gens à l'endroit où je suis normalement. Attends, attends, je t'ai vu toi. Oh, j'en ai vu même un en bas. Oh non, Darkwood, c'est vrai, c'est l'horreur. Attends, je sais pas pourquoi, mais je le sens jusqu'à mes narines. Ouais, j'en étais sûre. J'en étais sûre, j'aurais dû m'en douter. Ils l'ont sauvé. Ah, oh, j'aurais dû m'en servir comme appât. J'aurais dû m'en servir comme appât. Comme appât tâche. Qui Jacqueline. Oui. Oh. Oh. Je vois le monde que de ce que tu parlais. Quelqu'un veut te sauver? Non. Allez, ça va. Hop, hop, hop. Soyez vous-même. Boussel. Ben, je jouais l'ami. Ouh, tu t'es bien caché. Tu t'es bien reparti, en tout cas. En tout cas, ils sont bien partis là. Les amis Darkwood, je n'y arrive jamais à tous les tuer. C'est la pire map, je m'en sors jamais ici. Oh, bonjour. Où sont... Oh là là, je me perds tellement dans cet endroit, c'est l'enfer. C'est une blague, c'est où? Ah, c'est là. Oh, bonjour. Venez là! Bien joué. Il y a 4 personnes à choper là-bas. Oui! Par rapport à Darkwood, franchement, ouais. Franchement, c'était quand même assez chaud. Allez, je vais faire en random. Quoi, Denis? Qu'est-ce que tu me veux? Allez. J'ai l'impression d'avoir affaire à un noob. tu te fiches? Je peux juste te trade le couteau de Vaiana. Et un autre aussi. Couteau arc-en-ciel. Au revoir. C'est pas grave, tu peux le garder. En tout cas, on va amarrer des sols apparemment. Mon pote, on va amarrer des sols, tu m'aides pas. Oh, c'est tout bête, c'est tout fier. Ah, d'accord, Sirenhead. Mais attends, mais... Il y a eu un bug, sa tête, Sirenhead, elle est tombée lorsque j'ai vu le type se former. Ouais, la tête, elle est tombée par terre. Ça veut dire qu'on va avoir affaire à un Sirenhead sans tête.
Alors, lunettes de scientifique à l'endroit où je te dis toujours d'aller et que je sais toujours pas comment ça s'appelle. La cabane sur le truc. Il y a aussi une tablette à l'intérieur de la cabane. Ah bah apparemment le tueur est mort. Ok, bon bah pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on ouvre un coffre à chaque épisode. Mais vu que j'ai cataclysme, et bah ma vie n'a plus trop de sens en fait. C'est bon, je cataclysme, je suis tranquille maintenant. Je suis tranquille. Je suis tout mignon. Achetez-moi. Ça va. Ouh, merci mademoiselle, c'est grâce à vous. On vous le dit, nous, que c'est grâce à vous. C'est encore moi? Non, ah, j'ai compris, c'est une blague. Oh, il m'a sélectionné l'homme de massacre pompe. Alors, bah, essaye de bouger pour voir si tu es derrière moi. Aussi, tu y étais. On va voir l'homme de massacre pourpre avec un sabre laser. Eh ben écoute, c'est la deuxième fois qu'on est le tueur du serveur, ça fait plaisir, hein. À 16 minutes de jeu, parfois, ça, il faut que j'atteigne 2 heures, bah ça fait plaisir, vous voyez. C'est rare, mais ça fait plaisir. Plus c'est rare, plus c'est mieux. Bah là, 2. Guy, viens là toi. Oh, petit Denis, tu te prends pour qui là? Pour un sauveteur en mer? Quoi? Fous de ma gueule là. Venez là vous deux. Eh, j'ai vu un Jean Aden passer là. Ouais. Le vrai, le chair et un os. Ouais, c'est lui. Viens là, Jordan. Ah, c'est bon, ils sont tous les deux chopés. Quoi? Oh! Wouah! Hep, hep, hep! J'ai Samy! Tu meurs, toi. Ouais! Non! Oh oui! Il m'a pas revive! Viens là, toi! En fait, il aurait dû. Non, mais ça, et ben, je le tue direct. Alors, il n'y a plus que deux personnes debout. Un 4. Ah non, pas 3. Ah non! Même pas! Il y a 2 personnes encore debout. Attendez. Oh! Il y a quelqu'un qui se revive là, on est d'accord. Oui. Debout, mon pote. Il y a plus que toi debout. Denis, tu es le dernier debout. Hey, est-ce que tu fais exprès là d'être toujours le dernier survivant? À mon avis, tu fais partie d'une association secrète. C'était quoi ça là? Je sais pas, tu as fait une tête bizarre. Genre, comme si je t'avais loupé. Non, c'est peut-être mon imagination qui me fait des tours. En tout cas, il va falloir que tu t'échappes. 50 secondes, tic-tac. Ah bon? T'as un bug? C'est quoi? Hein? Victoire! Bah écoute, casse-toi. Mais oui, mais tu m'es tombé dessus aussi. Ça peut te bugger, hein.
Oui! Victoire assurée de l'homme de massacre pourpre! Oh bah attends, mais là on est dans un serveur que de bronzium là! Pourquoi je tombe que sur des serveurs de noobas comme ça là? Qui traînassent, qui mangeassent là? C'est... Alors il est où l'arbre du potion d'Inhuman? Ah, il est là. Regardez-le, les amis. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a un bug avec le poisson. C'est quoi ce poisson? C'est du caca. Ok, j'ai payé 50 gemmes. Avec 50 gemmes, on ne peut pas faire grand-chose, moi, que tu es. Oh, non, zone de patinage, mon ami. Oh là là, ils sont tellement idiots ces gens! Ah, tu l'as? Tu viens plus loin, mangeuse poulet! Mais c'est quoi ça? C'est Samy en mode. En mode trop bizarre là! Ils peuvent pas faire de telles horreurs! C'est horrible! N'est-ce pas vrai? Ouais. Voilà. Non, c'est horrible ces skins là. Tout ce que je déteste. Bah, vous pouvez pas rendre des skins un peu plus originales. Parce que là, la mangeuse de poulet, ça se fait pas là. Je vais manger des poulets. Ah, et l'autre, il s'appelle Flamingo, il a 9 millions d'abonnés. Ah! On n'entend pas sa musique. Eh, hey, Bacon, s'il te plaît, aide-moi. Traître. J'ai failli oublier qu'on n'entendait pas sa musique. Enfin, j'avais oublié. J'avais oublié. Ou non. Tu t'es fait choper, tu t'avais pas vu? Non, ah j'ai compris, c'est une blague. Attention. Non. Saute. Oui ça va, t'es là. Non, attends, l'autre côté. Ah, mais pourquoi? Mais on n'entend pas sa musique, je regardais pas. Oh, Jean-Mathias, s'il te plaît, aide-moi. Elle est bouillante, hein. Fais gaffe. Rien en vue pour l'instant? Si! Oh non. Bah non, on va pas s'en sortir. Elle m'a trouvé! Putain! J'ai récupéré qu'une vieille radio cassée dans cette partie! Alors là, mangeuse de poulet, franchement bien joué, hein. Oui, j'essaye. Oh, c'est incroyable. Elle, niveau 75, elle tuera toujours tout le monde dans toutes les parties, à mon avis, hein. Parce que là, elle est grave chaud. Pas vrai? Oh, attention! Oh, pas mal! Oh, les amis, est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait, lui, Costa? Oh, bien joué, Costa. Franchement, t'as GG, là. Il va essayer de rendre la part des choses à celui qui l'avait revive. Est-ce qu'il va y arriver? Il n'a pas la bonne technique. Et il va se faire choper. Il se fait la pirouette et il va voir son ami mourir. Et ça, ça fait toujours de la peine. Et en plus, du coup, c'est lui qui prend tout. Et du coup, c'est lui qui va mourir à la place. Avec lui. Et voilà, quand les gens sont idiots, qui n'ont pas de technique pour survivre. Comme moi, un peu, vous voyez ce que je veux dire. Il aurait dû réfléchir, il aurait dû. Bon, il n'y a plus que qui, là. Oh, t'es vivant? Ah oui, c'est vrai, Seth, que tu es vivant. Bien joué, reste là. Elle est pas du tout à ta zone, ça va, elle est carrément à l'autre sortie. Oh, t'as de la chance! Il y a plus que deux survivants, on est d'accord. Mais pourquoi ta tête en vrai c'est un Michael? Oh non, dans le démon, j'ai déjà oublié.
Ouais, mais en fait, c'est un peu trop dégueulasse. Je pouvais pas résister. Alors, elle est où? Elle arrive! Non, pas du tout, en fait. Elle arrive pas Non, du mais tout. bon, c'est dégueulasse. Elle arrive pas du tout. Par contre, elle est carrément aveuglée par la lumière noire. En mode mu. Elle te cherche, mais c'est bon, tu peux t'échapper tranquille là. Elle n'y est pas du tout à ta zone, hein. Allez, bien joué, Denis! Oh là là! Bien joué, tape là! T'es où qu'on la tape? Attends, on fait en même temps le truc là. T'es où? Allez, attention. 3! Attends, on fait le truc là. Qu'est-ce que tu racontes là, tu sais? Allez, 3! 2! Enlève le truc, hein, devant l'écran là. 1! 2! 3! Pourquoi tu l'as pas mis? Attends, attends, ne bouge, continue ton truc, ne bouge pas. Mais pourquoi t'as fait ça? Non, attends, attends. Ok, vas-y. 3, 2, 1. Mais pourquoi tu le fais pas? Attends, attends, continue comme ça. Attends, on y est presque. Comment on pourrait faire ex-aequo? On a réussi! Ouais! Attends, je vais faire une photo. C'est tellement marrant, toi aussi, avec tes petits doigts-doigts, là. Le chevalier Jedi. Oh là là. Toi, tu me fais penser à Mace Windu. Allez, Cyrano, mais ça suffit. Oui, on y rejouera si tu veux. Oh! Oh, j'ai cru me voir. Oh, c'est tout fier, c'est tout triste. C'est tout fier, c'est tout triste, c'est tout fier, c'est tout triste, mon ami. Quoi? Oh. Très original. Très original. Très original. Oh non! Il est tout proche! Alors, on est des vrais survivants, ok? Oh. Ouais. Ouais. On est que des vieux pépés, qu'est-ce qui peut se passer? Ça va. Qui voudrait s'en prendre à de pauvres pépés mentons? Ah, où tu vas? Fais attention! T'entends cette musique? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ah oui, j'ai pris un skin de la Fondation SCP. Ouais. Oui, bonjour, merci. T'inquiète pas, c'est pas la peine de faire ce que tu fais. Oh, t'as entendu ce bruit de train? Hey, tu fais quoi? Tu es parti sans moi! Oh oui, un petit passage secret, ça mène à où? Oh, petit passage. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Tu entends ça? Ouais, ça me paraît bizarre. Oui, on va aller voir à l'étage. Ça me paraît vraiment très très bizarre ce qui se passe. Oh, t'inquiète pas, les marches, je sais pas ce qui va nous arrêter. Regarde une corde, ça peut toujours être utile. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es où? Viens là, mon pote, je te soulève. On s'en va, cours. On est des vieux pépés, on peut pas. Ah, cours, mon frère. Regarde, une lanterne. Ouais, attends. J'ai récupéré une lampe. Au cas où il fait noir, viens, on va dans le grenier. Je t'amène au grenier. Tu te souviens de cet endroit? Viens, je t'y amène. Ça va prendre un peu de temps, mais t'inquiète pas. On va y arriver.
Comment ça se fait que t'es plus rapide que moi? Poussez-vous, vous! Non mais c'est. Elle se prend pour qui de. On dirait les passages routiers, là, les gens où ils regardent pas lorsqu'ils traversent la route! Ouais. Allez, viens! Je vais te montrer un truc! Regarde, c'est par là. Je crois que c'est ici. C'est pas ici, attends. Je vais trouver. Je sais plus exact. Quoi? Je sais pas exactement où c'est, mais je crois que je sais. Attends. Oh, regarde, un couteau pour se défendre. T'es où? J'ai trouvé un couteau pour... Un couteau pour se défendre, attends. Oh, il y a une montre, regarde. Ça vaut toujours cher, ça. On peut toujours bien revendre. Non, je l'ai pas ramassé. Bon, écoutez, pour le nord de Zeus. J'ai acheté un coffre, là. Pourquoi je peux pas acheter un coffre? Je demande d'acheter un coffre, Jean-Louis Michel. Je peux pas ouvrir ce coffre. Tu crois que c'est normal, mon pote, que je peux pas ouvrir de coffre? Attends, je vais aller chercher mon skin de la Fondation SCP, viens, on y va. Mais pourquoi ça... Bon, attends, je reviens et... Alors, les agents de la Fondation... Ah, super. On va devoir discuter tous les SCP. Ouais. Alors, nous avons pas mal de SCP à prendre en photo, mon Mike. Mike, où es-tu? Je n'ai pas encore connu. Je ne suis pas encore là. J'essaie d'escalader les barrières dans la zone. Non. Tu es dans la partie? Oui, je viens rejoindre. Non, mais je veux dire, tu es... Non, c'est pas la partie. Bonjour, Mike! Ah, t'as pas des manches longues? T'es horrible! Une veste de docteur. Bah oui, bah même les docteurs ont des manches, enfin. C'est horrible. Trop loulou. Bon, et toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ouais. Nous avons un petit exemple de docteur Asile ici, un exemple de l'homme de Massacre Pourpre, un peu mieux fait que lorsqu'on spawn. Là, nous avons un tout nouvel SCP qui est apparu dans la zone. Très étrange, n'est-ce pas? C'était des gens qui voulaient essayer de faire du gaz toxique et qui veulent arrêter à nouveau SCP. Oh, regardez. Je suis... touché. Regardez. Oh, rien ne peut me sauver. Merci. C'est vrai, normalement, il devrait te laisser qu'une seule chance pour survivre. Ça aurait été bien, ça. Tellement il te tranche en deux. Bon, what the fuck? Il y a un type. Son skin, il est un peu spécial. On dirait... Est-ce qu'il va se faire trop lolo? Ok, bon, nous sommes des scientifiques, nous sommes pas des malades. On se calme, compris, monsieur le scientifique? Monsieur, calmez-vous. Ah, d'accord. Mettez un couteau de votre uniforme, monsieur. Poussez-vous, non, j'ai pas pu changer mon truc. Et à cause de vous, c'est moi. C'est qui? Non. Oh là là, le hasard fait son show. Si, tu vas pouvoir l'entendre. Si, même les mobs, hein. C'est que les personnages sélectionnés, leurs skins eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire les gens qui sélectionnent leurs skins, ça fonctionne pas, leur son. C'est tout. Juste les gens, ça fonctionne pas. Allez, je vais rentrer dans la maison de quelqu'un. Bonjour. Ouais.
Oh oui, un gros classique pour toi. Oh non, Darkwood! Blague! Ah, je suis coincé! Ouais, j'ai vu quelqu'un là-bas. Ah non, c'était une pizza. Quoi? Quoi? Oui, oui. Attention, je crois pas que tu as envie d'être une petite pizza pepperoni. Par contre, t'es un pro pour la survie en ce moment. Hein. Cette fois-ci, je vais pas te laisser t'échapper. Ah oui, essaie de faire des photos de moi si tu y arrives. Oh! Prends des photos que tu te transformes en pepperoni. En pepperoni. T'es là? Fais attention. Oh! Il y a des gens, ils sont un peu bizarres. Oh oui, d'accord. Alors là, franchement, ça sert à grand chose. Il a pas survécu, l'agent de la fondation. Eh, je t'ai vu, toi. Merci pour cette information, mort. On va l'appeler SCP-3775. Non, je sais pas. Je le connais pas, SCP-3775. Après, j'irai voir sur internet si tu veux. De votre collègue, enfin, mon pote. Non, ça se fait pas là. Hein. Notre capitaine va pas être fier. On s'appelle pote. Eh, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. En plus, il est rare, lui. Fallait que vous y arriviez. Si vous remourrez dans votre mission, vous serez exclu du programme SCP. Ho, hi, ho. Bah ouais, j'ai une de la housse, effectivement. Ouais, effectivement, une petite cheminée aux petits oignons, mon ami, aux petits oignons. Alors, où sont les gens? Ils sont bizarres. Ah ouais, tu t'es fait trop lolo? Tu l'as trop lolo? Moi-même. Bon, trop tard. Eh, Pepep, c'est pour me faire des photos, c'est de la triche. Gros tricheur. Y'a personne ici, ça veut dire qu'ils sont en bas. Je crois. Oh là là, ils vont s'échapper vers le bureau du professeur Brown, à mon avis. Oh oui! C'est tellement vrai, c'était ça! Ça y est, quelqu'un ici. Ouais! Et toi, maintenant? Il vient d'où? Bonjour! Quoi? Alors, frère, tu es où? Alors, tu as pris les bonnes photos? Fais voir. Ouais. Attends, il y a quelqu'un à trop lolo là. Attends. Alors, ces deux masques en terre, je m'en fous, mais totalement. J'en ai même trois. Alors, éclat de redstone. Ah oui, c'est vrai, je l'avais commercé, lui. Mangle métaverse gelé.
Qu'est-ce qu'elle a comme truc intéressant? Ah ouais, elle a du caca. Ah oui, d'accord, elle a du caca prout, mais pourtant elle a un couteau stylé. Elle a un couteau stylé, on est d'accord, bizarre. Alors, où est-ce qu'on va aller à partir à l'expédition, mon pote? Enfin, mon collègue, pardon. Oui, quartier joyeux, un endroit parfait pour tous les crimes. J'ai pris le couteau blanc, ça me va très bien. Crie, Mora sera le tueur. Ouais, moi aussi. J'en ai entendu un. C'était très... Alors, où êtes-vous? Dites... Dans le jardin. Oui, moi aussi, mais vous êtes où exactement dans le jardin? J'essaie de trouver la sortie. Vous êtes à côté de la maison rouillée? Je suis à côté de la sortie. Ah. Bonjour, je suis là, alors venez. Il peut être à tout endroit. Il est là! Prenez des photos! Pour la fondation! J'ai pris une photo! J'ai pris une photo aussi. L'aide. Attends, j'arrive! Il est violent, alors violent, agressif. Ah! Classe object agressif. Agressif, très très agressif. Veut tuer tous les humains. Ok. Loup-garou habillé. Loup-garou habillé. Certainement humain qui se transforme en pleine lune en loup-garou. Affaire classée. Enfin non, peut-être pas. Il faudrait voir s'il fait d'autres. Est-ce qu'il est mortel? Est-ce qu'il veut vraiment nous tuer? Est-ce qu'il veut vraiment nous tuer juste par plaisir ou parce que c'est sa nourriture? Il faut savoir s'il nous mange. Sauvons cette personne. Ils ne doivent pas être dans le champ de périmètre de champ. Ah. Mais ce sont les habitants de la ville. On est bien obligé de les laisser vivre ici. Mais c'est dangereux. Oh! C'est vrai? J'arrive. Ne bougez pas! Non, de l'autre côté, de l'autre côté! Avancez et passez dans le petit trou! Voilà, c'est bien! Je crois qu'on a assez. Ah oui, bah moi j'en ai pris qu'une seule! Hein. Faut que j'en prenne une autre! Il est là! Ah, il est derrière, c'est trop tard! Hop, hop, hop. Oh, attention! Non! Non! Tu vas te faire virer! Non, j'ai pris des photos. Il faut pas leur dire que je suis mort. Je suis un scientifique, je suis pas un sauveteur en mer, mais bon... Oh mon dieu. Eh non, il faut que ce soit des photos. Ah! Oh, je suis coincée. Je suis restée coincée, non! Help! Au secours! Merci, Jeannette. Oh! Il est tellement violent! Il est extrêmement violent! Je vais l'appeler Darius Howley! Shit! Holy shit! Pas mal, hein? Oh non! Bon, vite, il faut qu'on s'en aille. Ça devient très, 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 très chaud. J'ai pris quelques petites photos, mais je sais pas si ça va être suffisant pour la fondation SCP. Je sais pas s'il va falloir qu'on y retourne aller prendre des photos de lui ou pas. Je ne sais pas. Je crois que ce n'était pas suffisant, les photos. J'espère que vous avez pris des bonnes photos, collègues. J'espère que vous avez pris des belles. Oui.
J'espère moi aussi que vous en avez pris les meilleurs. Attention, il arrive. Vite, allons-nous-en. Mon collègue est mort, je m'échappe pour lui. Bye bye. Oh mon Dieu, j'ouvre un coffre pour notre amitié, compris chef? Enfin, mon ami. Oh, cacaboudère, il n'y a que du cacaboudère que j'ai déjà. Bah écoutez, je m'en fous un peu. Oh là. J'ai eu deux masques en terre. C'est pas grave. Quoi? Ce serait bien qu'il propose un tueur, je sais pas, ça aurait été bien. Mais bon, que dans les coffres dorés. Alors, ça va? Vous vous sentez bien? Vous avez sélectionné le couteau... Non, regardez, le couteau blanc! Comme moi, là. Couteau de Devius. Quoi? Bah, tapez le code Devius. D majuscule. Bon, passez-moi. Attendez, je sais pas. Hein. Ah oui, les amis, on a oublié de vous dire. Devius a retrouvé son cri. Et ça fonctionne pas, le code. Devius a retrouvé son cri. Il fait plus un bruit de bûche. Il a été débugué. Génial. Nous allons devoir aller où, chef? En expédition. Vous allez devoir aller à Pizzeria Pepperoni. Une étrange anomalie s'y propage. D'accord, on y va. Ah, apparemment, non, on n'y va pas. Bon, usine de traitement, c'est pas grave, on y va. Alors, Sora est le tueur, apparemment. Sora, il s'appelle, hein. Je dis bien Sora. Sirène aide. Sora est le tueur, ça doit être lui parce qu'il a un couteau de merde et un tueur de merde. Donc ça doit être lui. Ouais, ça doit vraiment être Sora. Autant c'est lui. Eh, qu'est-ce que t'en sais que c'est pas lui? Autant c'est Sora dans la partie, là, le vrai Sora. Allez, il faut prendre des... Alors, on va où le chef nous a dit qu'il apparaissait à un endroit très 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 spécial. Viens. Ah oui? J'ai pas entendu dire ça. Oh, tu entends cette musique? Ah! Qu'est-ce? Oh! Je l'ai échappé! Alors, très menaçant. Ah, un couteau dans les mains. Essaye de nous choper avec un couteau. Non, tu t'es fait attraper! Je viens de sauver! Ah! Cri assourdissant! Tête de sirène! Bien joué! Oh! Oh non, il y a quelqu'un! On a failli! Il faut qu'on se fasse sauver! Je prends les photos. Oui! Oh! Attends, je vais essayer de venir te sauver, attends une minute. Oh là là! Adore faire des groupes de morts! Quoi? Oh, on est mort là! Oh, il y a tout le monde du serveur là! Oh là là! On y est tous! Oh non! Il y a quelqu'un! Tout le monde se fait revive! Incroyable! Oh non! C'était notre seule chance d'y survivre! Alors, très dangereux, fait des bruits assourdissants avec ces sirènes. À deux sirènes de deux côtés de chaque. Attends, si tu veux, je te montre des sirènes. Oh non. Couleur grisâtre. T'as pris des photos, c'est vrai, j'ai oublié. Fallait prendre des photos. Si tu veux, je te montre. Non, c'est bon. J'ai pas le temps. Oh, des lingots d'or. On va être riches. Je suis extrêmement blessé. Tu vas où? Oh là là. Ça me va exactement comme moi, mon couteau. Oh non, mon cousin est mort. Mais par contre, quand c'est moi le tueur, par contre, là... Ah oui, il meurt jamais, par contre, ça c'est sûr. Oh non, cousin. Oh là là, il n'y a pas que toi qui meurs. Il n'y a pas que toi qui meurs. Je vais survivre pour toi. Mais il faut que je me rapproche de l'anomalie. Je suis pas censé m'échapper. Je dois survivre à l'anomalie et aller le voir. Allez. Quoi? Non. Il faut qu'on fasse des photos.
Oh non, j'ai vu. Est-ce que j'ai pris une photo? Est-ce que j'ai pris une photo? Oh non! On voit le couteau en pleine face de lui. Non! J'espère que ma photo est quand même un peu bien. Bon, en tout cas, il tenait un couteau assez rose. Aïe, aïe, aïe. C'était pour l'honneur de Zeus. Oh, elle a le même couteau que moi. C'est une blague. C'est grave, non? Attends, je te mets un ruban. Attends, ne bouge pas, je te mets un ruban. Regarde ce que je te fais, je te mets un ruban. Ne bouge pas, je te mets un ruban. Attends, maintenant, une petite piqûre. Maintenant, un chipot. Maintenant, une fessée. Maintenant, une deuxième claque. Maintenant, des pleupleurs. Tu pleures. Et maintenant, tu es beau. Tu es tout beau. Alors, on a classé cette entité en tant que sirène. Head. Elle est extrêmement vénère et tue beaucoup de gens. Je crois que personne n'a survécu à Sirène Head. Bon, cette fois-ci, nous sommes prudents, compris? Allô, chef? Oui, cette fois-ci, vous allez à la pizzeria Paparoni. Je vous ai dit qu'il y a une anomalie étrange. Oui, tout de suite. Tout de suite. Ne vous inquiétez pas, tout de suite, je vous l'amène. Vous allez la voir tout de suite, vous allez la voir tout de suite. On y va tout de suite. Chef, oui, chef. Oh là là, il veut absolument qu'on aille à la pizzeria de Paparoni, justement, le nouveau SCP. Et toi, avec tes manches courtes, là, non, tu me tues, l'ami, hein. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous dire, le chef, lorsqu'il nous propose pas pizzeria Paparoni? Chef! Non, non, n'est pas allé au laboratoire, s'il te plaît! Oh non. Bon. Chef, nous allons devoir aller à l'école de nuit parce que actuellement la pizzeria Paparoni n'est actuellement pas disponible. C'est vrai ça? C'est une blague, j'ai compris. Pizzeria Paparoni n'est pas disponible, je suis désolée. Et pourquoi ça? C'est censé être ouvert seulement pour les scientifiques. Oui, mais nous sommes dans un jeu vidéo, ils ne proposent pas la map. On est dans un jeu vidéo, vous avez dit? Bah oui, vous croyez que vous n'étiez dans quoi? Dans la vraie vie? Bah oui. Alors je ne vois rien. Je ne suis qu'une imagination. Oh! C'est quoi ce délire? Vous entendez cette musique? Où êtes-vous, collègue? Oh non! Où êtes-vous? Ah! Oh, je vous vois! Ne mourrez pas! Tenez bon! Oh, ça va, c'était pas vous! Je croyais que vous étiez quelqu'un d'autre! Sora, aide-moi! Ok, montez les escaliers. Non, il vous suit, vous. Montez les escaliers. Venez. Alors, anomalie puissante. Veut tuer absolument tout le monde. Dès qu'elle voit quelqu'un, il la tue. Fait des groupes. Et est très très dangereuse. On a affaire à des pro-noobs, en fait. Oh là là. J'ai pas pris de photo. Qu'est-ce que je suis idiot. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout de suite, pense moi. Avec tes cheveux, ça fait pas sérieux, scientifique, là. Tu veux des lunettes de soleil craquées? Tu veux des lunettes de soleil craquées? Oh, ça ne va pas du tout.
Faut qu'au moins que je fasse une photo pour la fondation SCP. Suis-moi, on y va doucement. Attends, je veux sauver quelqu'un. Pour la tirer. Souhaite-moi bonne chance. Pousse-toi. Allez, appareil photo, saute avec moi. Ouh, il arrive. Il est là. Je crois que j'ai pris une photo. Toi aussi? On va mourir! Il n'y a plus qu'un seul debout! Avec un... Le dernier debout, c'est un Jean-Mathias! Non! On va mourir! Sois, suis-moi, viens! Suis-moi! Oh non! Oh! Il y a plein de gens qui ont survécu! Qui sont rejoints! Mais non, pousse, tu m'as poussé! Oh, traître! Oh, le traître! Encore un traître! Tu veux plus qu'on fasse équipe, c'est ça? Oh, c'est le traître que tu es! Oh, tu es tellement un traître! Bon, alors, anomalie blanche avec un costume à cravate. Tenue noire avec une tête complètement blanche. Comment ça? Très suche. Allez, il y a plein de gens qui veulent me trade. Oh, c'est pas vrai, j'aurais dû survivre. Bon, bah écoutez, les amis, Mike ne veut plus être avec moi parce que c'est un gros con. Alors, Freddy Krueger, bah écoute, donne-le-moi gratos, ce serait bien. Tu veux peut-être contre... Oui! Allez, accepte, l'ami! Vas-y, ce serait sympa! Oui! Oh non! Il m'a donné Krueger gratuit! Il m'a donné Krueger gratuit! Il est sérieux! Oh, quel pauvre idiot! Allez, vas-y, refais-toi troll, c'était bien. Ouais, vas-y, donnez-moi gratos. Qu'est-ce qu'il va vouloir? Grande question. Bon, de toute façon, je suis pas là pour traîner avec les gens idiots comme ça. Tout ce que je veux, moi, c'est aller à la pizzeria Pepperoni pour faire des petits tests. Parce qu'apparemment, c'est vraiment ce qu'il faut faire, là. C'est très étrange. Et c'est pas vrai, ils veulent pas me proposer. Alors, quelque chose d'étrange se passe à Fairground. Bah écoutez, allons-y, l'ami. Oh oui, ça va, on y va. Oh, j'ai eu peur, l'ami. Ok, bon alors, quelle anomalie on va devoir avoir à faire? Ouh, j'ai une étrange anomalie. Alors, il faut en savoir plus sur cette SCP. Dommage que mon collègue Mike n'est plus là. Alors, un ordinateur, ça peut toujours servir pour les recherches. Alors, attention, grimper, mais sûrement... Doucement, mais sûrement. Alors. Jane, le tueur, est là. Bon, ça se dit pas vraiment comme ça, mais bon. Attention, il peut être n'importe où. Oh, vous avez entendu ce bruit? C'était peut-être quelqu'un qui s'était fait attraper. Fondation SCP, est-ce que vous me recevez? Fondation SCP. Est-ce que vous me recevez? Après, les amis, je vais vous montrer toutes les photos qu'on a pu prendre. Je rêve ou j'ai vu? Qu'est-ce qu'Apocalypse?
L'ordinateur. Attention, il faut trouver l'anomalie. Jeanne, où es-tu? Regardez, quelque chose d'étrange là-bas. Vous voyez ça? Est-ce que c'est Jane? Non, ce n'est pas Jane. C'est quelqu'un qui a voulu sauver quelqu'un, mais c'était trop tard. Il n'avait plus assez de vie. Il était mort. Où est l'étrange anomalie? Oh! Vous entendez ça? Oh! Oh! Je crois que j'ai pris l'anomalie en photo. On peut pas prendre de photos lorsqu'on est en mode aidez-moi. Oh! Au secours! Merci Sora! Peut-être de tout là-haut, de ce toboggan de l'enfer, tout rouillé, on va peut-être y voir mieux. Oh oui, regardez! On va peut-être prendre des bonnes photos d'ici. Faudrait qu'elle se montre. Jane! Non, elle est plus là. Oh, regardez le petit ordinateur! Oh, ça m'a fait mal de tomber ici haut. Viens là. Je peux pas le prendre? Ah si. Chut. Allô, qu'est-ce qui se passe à la radio? Nous avons une perte de circuit. Non. Oh non, je l'ai vu. Regardez. Oh, attention, est-ce qu'elle m'a vu? Je n'ai pas l'impression qu'elle m'ait vraiment vu. Oh non, je suis coincée. Non, regardez, quelqu'un s'est fait attraper par Jeanne. J'ai l'impression qu'elle tient un couteau dans ses mains. Faut qu'on aille sauver. Oh non! Venez là. Non, vous glissez! Elle arrive! Jeanne arrive! Faire attention! Elle est peut-être tout proche. Sora est avec moi, félicitations. Oh, pardon, je vous ai marché dessus, excusez-moi. Il va falloir que les sorties s'ouvrent. Oh, attention, j'ai failli encore marcher sur vous. Oh, regardez, elle est là! Est-ce que j'ai pris une bonne photo? Je sais pas, je crois qu'on l'a un peu vue. Il faut vite qu'on s'en aille d'ici. J'ai pris 4 ou 5 photos. Enfin, 4 ou 3. 3 ou 4 photos. Voilà. Allez, au revoir. Absolument qu'on s'en aille. Oh, regardez des lunettes de scientifique. C'est justement pour moi, ça. Oh! Oh! Elle arrive! Jeanne qui a bloqué la sortie numéro 1 du parc. S'il vous plaît, m'aidez, ouvrez une deuxième sortie. Je dois vite m'échapper. Oui. Oh. On a fait... Oh, 3 ordinateurs. Ok, bon bah, je crois que la fondation SCP est plutôt contente de mes recherches que j'ai pu faire. Wow, c'est bien ça. Ouais, on a bien GG. Alors, est-ce que quelqu'un va encore se faire trop lolo comme Kruger gratuit là? Ce serait très très bien ça. Allez, avec le couteau glace, ce sera toujours sympa ça. Allez, vas-y, propose quelque chose. Allez, vas-y. Vas-y, propose quelque chose. Bon, alors,
Allô, la Fondation SCP, nous allons devoir aller où? À Pizzeria Paparoni, bon sang! J'essaye, mais les gens ne sont pas d'accord. Quels gens? Oui, les gens, écoutez, les gens ne veulent pas. On va aller à Quartier Joyeux. C'est pas possible, ça! Je refuse! Oui, bah parfois, monsieur, c'est comme ça dans la vie. Parfois, on n'a pas tout ce qu'on veut. Vous osez me dire ça? Le scientifique s'est fait tuer. Du coup, bah, en fait, il n'y a plus de scientifique dans cette partie. Du coup, ça veut dire que, bah, en fait, il va pas pouvoir faire cette expédition parce qu'il n'a pas pu aller à Pizzeria Paparoni. Bon! On va essayer de tuer tout le monde, les amis. Est-ce que j'ai le sabre laser? Non, j'ai un couteau, c'est dommage. I see you! Hop, hop, hop! Et toi aussi, là! Hop, hop, hop! Ça crève, c'est bien ça! Ça crève autant! Ouais, il y a quelqu'un qui s'est fait sauver! Hé! Viens là! J'ai vu! C'est bien! Hop, 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 toi là, Michael! Hop, 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 il y a quelqu'un qui s'est fait sauver! Viens là, monsieur chat! Il est lent comme un trou du cul! J'ai vu quelqu'un là. Ça veut dire que Monsieur Chat s'est fait revive. Faut que je trouve Monsieur Chat. Ah, il est là, Monsieur Chat, viens là. Quel idiot. Va falloir que j'aille voir dans le jardin. À mon avis, c'est là où ils se cachent, les petits peureux. Et en fait, les amis, vous n'êtes pas obligés d'aller voir dans les casiers. Vous le voyez directement s'ils y sont. Ah bah voilà, regardez, c'était sûr. Tu m'étonnes, Elton. Alors, ils sont où, les gens, là? Petit guys. Ils sont pas sur les arbres. Ils sont pas à l'étage. Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Oh! Attends, je la laisse bien prendre son temps. Voilà!
échapper, non. Et ben voilà les amis, hein. Et ben voilà. Quelqu'un s'est encore échappé. C'est bon, vous êtes dépuni, monsieur le scientifique, merci. Bon, bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Sur Survive the Kyler, l'épisode 91. J'espère qu'il vous aura plu, mais d'abord, on va quand même aller voir. Et bien joué, Christmas Tree, parce que c'est toi qui t'es échappé. Si on va voir si on est le tueur, ça m'étonnerait. Mais ça peut arriver. Qui dit que ça n'arriverait pas, hein? Qui dit que ça n'arriverait pas? D'ailleurs, c'est souvent le cas qu'on est le tueur à la fin de la vidéo pour bien nous faire chier. Parce qu'on doit finir notre tour, voilà, et là, tueur. Et là, ça fait bien chier le trou du cul parce que c'était censé être la fin de cet épisode. Parfois, dans la vie, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Alors, on n'ira toujours pas à la pizzeria Pepperoni, mais en tout cas, on ira au moins à Hotel Mansion. D'ailleurs, il n'y a jamais beaucoup d'objets à Hotel Mansion. Allez, qu'est-ce qu'il me veut, Toubioun? Ah, c'est pas nous. Bon, bah écoutez, les amis. Du coup, pour de vrai, je vous dis au revoir et à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt. Bye, les guys.